Mackinson, sans passer, ils n'ont pas tant d'eau. Son Paul a pas sorti Mackinson. Nous n'attendons rien à ce qu'on dit. Nous pas attendre. Désolé. OK. Et merci en pile. Et nous résout ça. Et n'a dit tout le monde bonsoir. Et je dis à, et nous t'a parlé sur YouTube, bah, j'aime ça. Je dis à ce 27 juin 2020. C'est un grand jour pour nous recevoir ensemble avec nous, monsieur Ivan Morisseau. Et qui c'est un diaspora, un haïtien qui vit aux États-Unis, qui a un parcours spectaculaire. Dans la question et volontaire, dans la question et plaidoyer. Et plaidoyer dans la question de entreprise tout en pile il fait partie de on radio les radio Cajou, c'est une ancienne radio dans Miami qui a fait un bon travail depuis longtemps. Donc jodi a nous juger nécessaire pour nous faire un débat ça la important pour nous tous haïtiens qui vivent États-Unis, Canada, France ou bien Chili, parce que en pile dans nous comment élève bois maré dans la question de crise. Nous avec un pays qui dit les amis nous yo voyez mon ban yo déporté au ban, et puis nous même tout qui n'ont pays que nous devons se payer pays par nous lié soit naturalisé, nous penser que bac à déporter nous ou bien ça soit maman nous fait, ou bien papa nous fait dans pays, et puis nous parler que pièce lien culturel avec le pays, et puis les gars nous ont déporté nous même un bout de temps parce que t'as gagné ni en caille même. Donc je dis à la nous pas font parler de ça, nous gagnons avec nous docteur Emmanuel Monpoint qui toujours dans cas là. Et pour nous faire débat autour, pour nous équilibrer des paroles, pour nous voir dans le contexte chilien à tout, et pour nous voir les mêmes, et pour et bâillon, ça comprend de déportation. Mais ça, puis gros dossier, c'est la déportation Toto Bissant là, et Toto, qui c'est ancien chef, et Mbakon et Frappe, qui était gagné en pile par Toto Constant, et gagné en pile par Kipose Soudol, il a déporté l'Haïti, que DCPJ recevoit. Et puis nous avons l'autre et en pile l'autre déporté tout ça qui vient à Haïti dit li pa konn tè sa, pa konn peyi sa, pa konn moun sa, pa moun Haïti, pa Haïti. Donc dans ce sens nous même qui Chili Mackinson de Baptiste, et nous pas konn en pile de réalité américaine là, en pile de réalité États-Unis, nous jugeons bon pour nous inviter un monde qui konn réalité à qui ka ba nous plus explication sur et qui ça en déportation y aux États-Unis, est-ce que on ka déporté un américain. Comprendre, ou est-ce que vous avez des potes qui ont double nationalité et pour qu'à éclaircir nous en façon ou d'une autre. Donc, et nous présentons nous monsieur Ivans et Morisseau qui c'est un ancien, un jeune tout et qui a milité en pile dans la cour États-Unis dans question radio, il y a une radio qui a bail en pile information qui a formé nous depuis longtemps, c'est une ancienne radio game. Et très bientôt, tous tes enfants en liaison avec Radio Cajou pour passer toute émission Radio Cajou sous tes hein. Et nous connaissons pour un bagage essentiellement Chili, seulement son bagage international, côté que tout le monde a fait un bagage sérieux, et même je n'ai pas fait l'alcool ensemble avec nous tous. Et donc, et monsieur Morisseau, gagne un CV spectaculaire, lycée en volontaire, il était volontaire pour la Rouge américaine, et lycée MAP actif, et coalition haïtienne et puis lycée membre actif du parti du fond uni de la diaspora haïtienne parce que ça son parti politique. Et puis monsieur Morisseau gon équipe sinda pour nous parler et nous pas ka fini. Donc monsieur Morisseau nous dit bienvenue et bonjour tes sous tes uns, son plaisir pour nous recevoir et sur canal là. Merci monsieur Jean-Baptiste Mackinson, son plaisir tout pour moi, ouais, docteur Emmanuel, et encore pour moi, encore une fois, ensemble avec lui, son panel. Et monsieur Mackinson, forme du tout, forme du avec tout le monde, tout le monde qui a suivi Tézin, là,
Nous saluons nous tous à la ronde bas. On a respect à tout le monde. Il y a des gens qui ont dit chapeau bas. Moi-même, je lève le chapeau, je mets la tête bien bas. Je dis nous tous bonsoir et merci de nous permettre d'entrer la caille à soir. Non, moi, c'est Yvans Ré, Yves Serge Morisson, mon paquet. Et maman choisit le thème et bien content. Parce que lui fait me sentir que c'est bon, Jean Haïtien. Les gens vont à côté. Si vous cherchez Sergo, il n'y a pas besoin de moi. Mais vous cherchez l'autre et puis quand même. Mais tous les amis, vous connaissez moi. Et tout Haïtien connaît tout, que c'est Haïtien mieux. Pareil, même bagaille. Merci en pile de ce qu'on invite nous là à soir sous tes uns. Et merci en pile. Et comme présentation, moi-même, vous parlez de groupe yo, que moi formé, moi ensemble avec vous. N'a pas parlé vraiment de l'activité que moi fais dans toute diaspora ou bientôt. Moi-même, en tant qu'Haïtien qui vit dans les pays étrangers, parce que moi-même, c'est Haïtien mieux, et moi, toujours Haïtien, moi, j'étais Haïtien, c'est seulement ma vie dans un pays étranger. Et c'est vrai qu'il y a un pareil nous qui fait en dehors du pays, il y a même capable de la diaspora. Et d'autre façon, nous tous qui vivons net, nous englobons en bas et mot diaspora, parce que c'est même qui voulait faire, qui voulait dire comme ça que nous avons résidence à l'extérieur du pays. En dehors du pays d'Haïti, donc il y a les diaspora, peut-être ça. Donc, nous avons un problème parce que la caille nous, en pile mot, nous dit en pile mot, et puis nous ne parlons pas de même bagaille. Donc, c'est un plaisir que nous avons fait ça, nous avons utilisé, moi, bien content. Et pour le travail que nous faisons, jusqu'à ce que nous puissions arriver sur la question de déportation, oui, depuis longtemps, moi, c'est membre d'une coalition qui est le Haitian American Grassroots Coalition, ou bientôt son coalition. Et son question côté en pile haïtien dans quel que soit état que nous y est dans États-Unis et puis tout dans quelques pays en dehors des États-Unis tout nous tous nous participer ensemble pour si que gon problème ou côté que gon haïtien qui gagne quelques problèmes immigration toujours a dit des mots sur ça ou pas ta étonné et à compter que depuis en 2005 moi j'étais en contact avec un membre et chilien yo, qui t'a parlé de l'immigration en Chili parce que nous avons moins que 5000 haïtiens en 2005. Donc nous avons déjà commencé à parler ça. Si m'a cherché dans tout dossier que m'a gagné, moi cap même retombé sur un message correspondance que m'a gagné ensemble avec lui là que nous t'a parlé de immigration, de migration haïtienne et qui gens que nous même nous fait pas boy ici et qui gens que fait tout, qui gens que même yo t'a pensé faire là que haïtien arrivé au Chili. Donc, ça, c'est une conversation que j'ai gagné ensemble avec un membre, soit un membre gouvernement, que j'ai rencontré dans l'OEA pendant que nous avons plaidé pour les Haïtiens avec le pays ici, qui a fait nous passer dans le pays de Bahamas, dans le pays de Dominicani, avec tout l'autre côté. Ça. C'est après voir ça, je crois que j'ai rencontré avec Mackenzie Jean-Baptiste dans le Dominicani. C'est la même idée ça, pour nous chercher une façon. Qu'on essaie de comprendre qui gens que haïtiens vivent dans la Dominicanie, dans la bataille, dans quel que soit côté que lié. Même bien que je suis campé dans le panel, comme je parlé, même je suis appris en pile à tout le monde qui est venu approcher mieux après ou bien pendant ou bien avant même nous suis campé pour nous parler dans la conférence. Donc c'est comme ça que nous faisons. Et nous allons dans Washington, dans l'OEA, pour nous parler en pile. Pour nous dire comme ça que pour suspendre mauvais traitement et ben haïtien yo. Et c'est pas ça seulement et pas sur immigration seulement nous t'es campé nous campé sur droit moun dans quel que soit côté que yé surtout pour droit haïtien ça que en pile moun pas capable comprendre même si moun yo parle en pile de droit moun premier pays sur la terre béni qui parle de droit moun c'est Haïti yo me dit tout ça que vous voulez sur question de l'esclavage pays qui prend indépendance yo en vent Haïti. Premier pays qui fait ça, c'est Haïti, et qui a eu courage tout pour mettre ça dans la Constitution. Donc, nous venons tomber sur la question de déportation là, pendant que nous regardons la déportation. Nous ne sommes pas étonnés de ce que, dans la semaine qui s'est passée, nous voyons qu'ils ont été déportés, une série de monde. Et puis là-dedans, il y a un type qui dit que ils sont citoyens Bahamas, ils sont Bahamiens, et qu'elle part qui s'est fait en Haïti. Et pour qui ça a été voué en Haïti. Mais si vous comprenez bien, je crois que monsieur a un nom, soit qu'il a un côté, il connecte quand même avec Haïti. Même si il n'a pas de nom, il semble avec Haïtien. Quel que soit le côté qu'il a parlé avec lui, il a pris ça. Moi-même,
si ma langue apprenne que c'est Haïti me sorti. Donc, pas bien aucune façon. Pour ne pas oublier tout, dans la première constitution pays d'Haïti, hein, avec l'empereur Jean-Jacques Dessalines, en 1805, il était dit comme ça que quel que soit couleur peau, couleur géo, si jaune, bleu, vert, marron, si peau clair, parce que ça me bat qu'on est, quel que soit genre, si chevaux longs ou bien si chevaux pas capables de rester bouclés, ou bien tous si chevaux, même gens naturels qu'elle t'a doué, hein, quel que soit Jean Chevoyer, hein, quel que soit Jean Corrier, en couleur et tout bagaille, des poufs faites dans le pays d'Haïti ou son nègre. Donc, moi même pas, j'en retire tête dans la position. Hein, parce que mon qui est, moi, aime son haïtien, aime son nègre. Quel que soit Jean qui a demandé là. Si je parle d'un côté, je commence à parler pour avec moi, je sens dit. Parler avec moi en vent, je si je parle de langue, pour ne pas répondre dans la langue ou pas. Si je ne parle pas, je ne parle pas langue ça, je parle en l'autre langue. Donc, c'est là que nous avons. Les camarades là, ils mènent en Haïti, faut pas oublier ça. Après, je crois que c'est après la constitution qui a été faite, l'empereur Saline avec tout membre assemblée, ils ont envoyé une lettre au Congrès américain pour te faire reconnaître que quel que soit le monde qui a couru pour l'esclavage, qui rentre en dans le pays d'Haïti, ils ont payé capitaine $40 pour eux. Et puis, moun sa jwenn liberté. Si nous regardons bien encore, dans la partie de l'histoire, dans la zone 1813, Pétion a rencontré presque le même problème ça avec un groupe nègre qui était sorti et Jamaïque, non bateau. Et puis, là, on monte, là, on arrive en Haïti, on arrive quelque chose en Haïti, dans la côte sud, là, on jwenn, dans le même matin même, là, on levé les Haïtiens. Yo pas de esclave. Là que met bateau en théorie on let by pays d'Haïti. Pétion te répond yo président Pétion d'alors te répond yo ou capable vinn prendre bateau là. Mais quand il s'agit de moun sa ou quoi parler là, c'est citoyen haïtien que yo pas reconnaître demande que on fait pour moun sa. Nous pas gain esclave pas bon ici tout moun c'est citoyen. Donc imagine ou là que on mène un homme ça dernièrement là. Si monsieur te connaît un petit parti de ça, il t'apprend que il a caillé, quel que soit côté que il sorti. Et c'est un message que nous-mêmes, chaque fois nous passer, quel que soit dans Caribou ou bien n'importe qui côté, il est là pour tout le monde retourner la caille maman. Ça veut dire que reconnaître que moi-même avec vous, nous sortis même côté, c'est frère et frère nous avec sœur. C'est ça me dit là nous retourner la caille maman. Quel que soit côté où sorti, ou même soit haïtien. Ou pas capable de garder un pi mal parce que c'est frère ou c'est soeur. Et comme ça que nous elle. Et si nous gardons tout, pendant que nous avons fait le reportage, il y a des gens qui ont pris, mais il y a des gens qui ont pas trouvé un bagage qui est très sérieux là-dedans. Pendant que nous avons en descendre d'avion, ou bien tout ça a fait pour le rouler d'avion, ce n'est pas des pas gens à ZAM qui ont passé maintenant coup, monsieur. C'était deux femmes haïtiennes. Qui t'a passé maintenant coup monsieur dit comme ça nous pas occuper nous pas quitter comme ça imaginons ça qui côté ou pas un haïtien pour vivre un côté puis a passé maintenant coup comme ça puis accepter le tant qu'un monde et puis pour dire comme ça ou pas besoin plein on besoin occuper on a pédo et nèglanté dit comme ça que non qui est de pédem c'est tout même besoin tout ne peut sortir et blanc pas besoin monsieur yon nan bagay que nous t'a voulu parler. En nous quittant ça, ça c'est une histoire que nous avons fait, nous arrivons là-dedans. Dans le pays des États-Unis, parce que nous avons posé plusieurs questions sur la déportation, dans le pays des États-Unis, il y a une loi par eux sur la question de l'immigration. En dans la loi de l'immigration, il y a une déportation, une loi sur la déportation. Ils sont capables de déporter n'importe qui est indésirable qui est venu dans le pays, hein, quel que soit côté coyé. Hein, depuis qu'on est désirable, yo passe en prison, yo capable de déporter. Ça arrive pour moun qui gagne et quel que soit résidence ou bien n'importe qui ça lié. Parce que moun qui rentre dans le pays en façon illégale, actuellement là, pas gagné qui capable gagner des moun ça yo, à cause de ça qui s'est passé là, décision qui s'est passé dans la Cour suprême États-Unis. Côté que a dit comme ça que et gouvernement pas besoin occuper le rien si on monde rentrer
illégalement dans les États-Unis, demain matin même, ils sont capables de déporter. Quand il y a là pour nous tourner dans l'autre question de déportation que nous sommes entre avec Toto Constant, si nous comprenons bien, en pile monde a plein pour mauvais actes, mauvaises affaires que Toto Constant fait en Haïti. Depuis tant de dates, Toto Constant est aux États-Unis, il n'a jamais considéré monsieur tant qu'un criminel. Il était prend monsieur tant qu'un n'importe qui l'autre monde. Nous pas connaît qui gens qu'elle était passé parce qu'elle était en résidence, mais tout autant que il pas commettre un crime dans pays États-Unis, il pas t'arrêter. Mais quand il y a là, il était arrêté monsieur sur un crime qu'elle était commettre. M'pas connaît si monsieur était gain fait américain. Mais semblait que monsieur pas américain qui fait que te mettel dans prison, il fait le puger peine après ça, il voyait monsieur tourner la cali. Yo pas voulu tourner la cali pour crime que te commet ou bien tout pour crime que yo accusé que te commet en Haïti, mais yo voulu tourner en Haïti pour crime que li te commet en d'un pays États-Unis. Et si nous regardons bien, c'était crime sous question real estate ou bien immobilier. Le ko nan pays États-Unis ou al fait crime ça yo, ça veut dire que ou fouye mon nan poche yo, c'est couper poche yo, donc yo arrêté pour voler. Donc c'est ça qui arrive. Et c'est pas lui même seulement qui t'est pris en prison pour ça. Il y a l'autre haïtien qui t'est allé en prison pour une série de crimes immobiliers tout. Mais yo yo pas déporté yo parce que yo t'ai gien temps fait yo américain. Dans condition côté que yo voyé un américain tourner dans pays le côté que yo retiré et soit citoyenneté ou bien résidence là. Dans même monde avant que déporté là, c'est là que moun te bay menti. Avant qu'elle te rentre aux États-Unis, menti ça qu'elle baille pour te capable permettre lui faire un papier ou bien te venir avec un faux papier. S'il vient avec un faux papier ou bien te ba un menti, y a beau elle tourner. Mais conseil de l'autre situation que vous voyez moun tourner, c'est là que ou t'es dans un pays qui t'est dans la guerre contre les États-Unis. Et ou même ou t'es servi dans l'armée dans pays ça qui fait la guerre contre les États-Unis. L'arrivée aux États-Unis ou pas de gens dit que ont dans l'armée ça. Et puis qu'on y a même vers pis devant, yo pral faire investigation, yo pral voir que ou t'es dans l'armée étrangère ça qui t'est côté sorti et que pays ça t'est campé contre les États-Unis soit pendant une guerre mondiale ou bien une guerre qui passait. Si nous regardons ça, t'es une histoire de un docteur, ça gagne 3 ans. Que yo te voyé aller non moi ça dans première année et administration et Donald Trump là yo te voyé un docteur retourner la cali parce que il te bay menti dans application que il fait et pas que il te bay menti non il te blié dit que ou bien tout il pas dit que il était un membre dans l'armée côté il était donc peut-être ça yo voyé retourner par exemple yo moun qui a rentré aux États-Unis qui rentré qui rété ou t'es entré aux États-Unis avec un visa touriste ou bien un visa étudiant. Bien y a l'autre possibilité pour vous-même pour capable essayer régulariser ou. Depuis que vous cherchez une façon pour capable légaliser ou, y a pas pour retourner comme ça à moins que y a dernier cas là parce que vous t'es rentré légalement aux États-Unis. Y a capable demander pour changer statut là. Il y a pile provision qui ont été mettez par exemple yo t'ai venu avec TPS là ça c'était yon et ça c'est ça qui pire récent mais bon l'autre façon qui ont été fait depuis bien avant que Haitian American Grassroots Coalition te bataille pour lui qui ont été relé Harifa. Harifa ou bien tout ça c'est ça qui ont été relé et Visa Clinton côté que il y a pile monde qui t'est rentré aux États-Unis avec une possibilité pour te travailler la terre. Mais moun sa tellement passé temps aux États-Unis, pas bien papier, mais depuis y a travailler la terre, paye au cash, que pas besoin de problème. Mais puis devant, yo vinn faire petit. Yo vinn obligé rester dans pays hein. C'est même moun sa qui vinn créer boy ici dans ça nous relé Haïti ou bien Little Haiti. Hein. C'est même moun sa. Donc pendant nous ouais ça et grassroots là ouais ça avec Jean Robert la qui malheureusement de regretter mes mémoires,
Yo travay pou Clinton te bay pre de 55,000 Haitien rezidans. Donk sa te mache tre bien. Le Clinton monte, epi yo travay, epi yo bay visa sa kote moun sa yo te gen doa. Sa pa vle di ke yo pa gen la deo ki depote. Gen la deo ki vin komet krim pendant ki yo bay visa. Krim nan ki ta gen doa. Ton mari yo joun yo a fume. Rien, li servi kom un krim. Conseiller de l'autre bagage encore qui est capable même de mettre sous dos si que moun sa il y a moun qui veut former méchanceté ou police ta veut former méchanceté par exemple si m'a marché dans la rue sans que m'pa gagne green card dans poche moi moi commettre une infraction ça son infraction et lié yo capable faire payer $500 pour ça ou bien plus ou bien même si moun trouvé que moi illégal nan tèt li, li gen dwa pran li fwe nan prizon kareman, li la menm bonne chans pou m prouve ke mwen gen yon papye sa. Donk sa ve di ke gen moun ki kapab tombe nan problem sa a tou a koz de mechansete yon lot moun. Paske mwen gen moun ki m de konen ki te pase an pil tan nan koum paske yo te bliye mache avèk green card sa nan posyo. Normalman, sa fè se paske ke an dan loi Etats-Unis, an dan loi immigration, Il dit comme ça depuis que son monde qui rentre dans le pays, hein, ou c'est un touriste, ou doit toujours marcher avec quatre sacs que vous avez, un I-94, I-94. Si que ou c'est un monde qui a une résidence, ou doit toujours marcher avec quatre résidences dans la poche. De façon, si vous un représentant, immigration qui rete, ou police immigration qui rete, pour capable prouver que ou c'est yon immigrant mais quatre immigration si ou pa gen nan mon yo capable tout arrêto meto on côté peut-être ça et m'ba konnen si te gon si gon question que m'pa répondre ou bien que si tu as besoin poser m'l'autre question et merci Vance pour et intro faire li bon et li important pour nous konnen et bike de base sur question déportation immigration donc et avant de poser question on a dit Emmanuel Et nous pas dire Emmanuel bienvenue parce que Emmanuel est mon calalier Emmanuel et salut mon paysan yo et dire comment nous y est et pour nous kawe et comment ba yo au niveau du Chili qui sont pensés de déportation ça de ça qui passe dans monde à cause du coronavirus tout pays vient tourner et égoïste tout pays vient tourner nationaliste yo juste dire tête sur yo tout ça pas pour yo battre pour yo libérer ensemble avec Bonjour Emmanuel bonsoir Emmanuel comment y est Bonsoir tout le monde, bonsoir Tézin, bonsoir Mackinson, bonsoir auditeur, bonsoir Monsieur Morisseau. Nous avons une chance de partager le panel, ça va être trop longtemps. C'est un autre fois son plaisir pour moi pour ce panel là pour nous faire un petit débat, un petit discuter sur un thème qui est extrêmement important et qui lui-même Monsieur Morisseau vient en faire un gros rallye mené surtout dans le contexte pays États-Unis. Et même penser tout et gagne un aspect qui est extrêmement important dans le débat soya c'est aspect qui à la fois gagne pour ou avec un aspect juridique et légal ou bien qui parle les mêmes gagne pour avec loi migratoire qui gagne dans pays yo surtout dans contexte ça qui plus ou moins c'est et spécialité et avocat yo mais un aspect tout penser qui purement politique tout qui sont aspects Mackinson évoqué dans pendant introduction t'a fait pour te et passer me connait pour me capable entrer qui c'est aspect côté l'état semblé avec crise et économique et crise sanitaire qui gagnait et à cause de pandémie coronavirus là mais COVID-19 là et en pile pays a essayé ouais comment yo était capable ouais en dans migrant yo yon facteur ou bien yon distracteur pour en quelque sorte alléger peine émotionnelle population hein, en termes de complications ou bien impact négatif coronavirus là gagné sous population et sous réputation et tout même en tant que politicien et surtout dans le contexte en pile pays côté en pile dans politiciens qui a géré crise ces politiciens qui dans antichambre une prochaine élection ça veut dire qui très proche une prochaine élection ça dit penser qu'en pile décision qui prend qui gagne un aspect qui purement politique là-dedans tout politique et idéologique mais tout dans l'autre et dimension dans l'autre extrémité causé à me penser tout gagne des monde tout qui a tout profité idéologiquement de ça qui a passé à là par exemple
nous capables de citer ce qui passait à jeune homme nan, qui dit lycée Mounba Maslipa haïtien pour qu'ils ont déporté l'Haïti. Nous capables de comprendre qu'on paquet moun qui ont commencé à faire toller sur les réseaux sociaux en comprenant que États-Unis a déporté citoyens américains en Haïti. Chose qui, selon propre loi américaine, on pensait qu'il est extrêmement impossible parce que les États-Unis n'ont pas déporté citoyens américains à moins qu'ils aient une condition, M. Morisseau, de vous donner là. Et dans le cas ça, et ce sont des cas qui très spécial, très spécifique. Et je pense que M. Morisseau, qui sont experts dans le domaine qui a vu les États-Unis qu'en réalité, est capable de mettre plus librement ou plus explications, plus en détail. Ça veut dire, c'est pour montrer que, il y a deux aspects selon moi-même qui est extrêmement important. Il y a deux dimensions en d'un problème, non? Il y a une dimension qui, selon moi-même, qui est réelle, qui sont dimensions qui réelles, qui sont dimensions qui viennent pour à la fois avec déportation, moun même, de un pays à un autre. Qui sait pas bagay kap fèt jounen jodi a, ou te kon toujou fèt, mais peut-être avec pandémie, hein, li kap paret pi, pi remarquable, li kap soti nan la presse, etc. Mais te kon toujou depote moun. Ça sont dimensions qui sont extrêmement importantes et qui sont dimensions qui viennent pour lui, ouais, avec, selon moi-même, loi qui vient dans pays côté au depote moun yo, et loi qui vient dans pays côté après se voir moun yo, accord, convention, etc. qui vient entre deux pays yo et la trier. Mais tout bon, l'autre dimension qui est purement idéologique et politique, qui sont dimensions côté tout de côté yo, chaque groupe yo abat pour yo profiter idéologiquement et politiquement de ça qui a fait là. Ça a toujours passé avec tout phénomène. Et nous capables ouel là tout, nous capables commencer ouel là au Chili. Donc par exemple pour nous citer ça qui passait en groupe colombien côté gouvernement actuel là, Colombie a besoin de tourner la caillou parce que yo était arrivé un moment côté crise économique qui commençait gain Chili, yo pas kakembe encore. Yo obligé mandé pour yo tourner la caillou et yo pas de gain moyen pour tourner la caillou et pays yo c'est pas que pays Colombie pas prêt pour le recevoir mais plutôt Colombie te mettait des exigences sur non seulement qui vient pour avec une quarantaine de respecter les arrivées et Colombie te dit tout mais pas financer quarantaine les arrivées ça veut dire un groupe monde qui a quitté Chili parce que pas gain corps pas gain caillou pas gain l'argent pour payer caillou pas gain l'argent pour manger pays yo autorité pays côté là qui c'est Colombie dit les arrivées Colombie supposé prendre quarantaine et puis faire quarantaine là c'est eux même qui pour payer hôtel côté pour faire quarantaine ça veut dire capable d'imaginer. Eh bien, autorité chilienne, yo, même, qui s'est offert, bien, mais bon, quittez-nous tout profiter de ça, là, pour nous tout faire, capital idéologique, nous. Eh bien, yo, dis, moun, yo, fait, moun, yo, signe en papier, côté, y a facilité au tourner dans le pays, yo, y a, mettons, avion disponible pour yo, mais, en retour, faut, yo, accepter que, pendant 9 ans, yo, pape, j'aime tourner Chili. Chose qui, lui-même, illégale. Et c'est, yon, agrupation migrante, qui lui-même rend tête li compte de quoi parce que son coup nèg fait nanti let petit chiffre petit en d'accord qui a dénoncé nèg devant cour suprême et la cour suprême Chili et la cour suprême dit lui-même on bagarre ça pas fait parce que est inconstitutionnel li illégal. Ça veut dire nous capable comprendre côté de pas d'autre chaque nèg a bat pour tirer profit non seulement de crise là pour faire capital politique yo, mais tout même tendance qui commençait ça gain plusieurs années qui gain plusieurs dizaines d'années c'est même tendance qui commence à continuer côté en pile politicien ou en migration en lui-même yon recours on met yo la dan takoum dadou ces derniers grain failli y aurait été mais dernier prétexte y aurait été pour justifier toute bagaille pour détourner l'esprit peuple là utiliser l'immigration tant qu'on distractait et en quelque sorte nous pral commencer ouais il très probable et ça commence à faire chili là déjà. Nous allons commencer à voir comment monsieur pral commencer en quelque sorte visibiliser et médiatiser des déportations qui étaient toujours faites dans le pays hein? Mais on va commencer à médiatiser pour laisser le peuple comprendre qu'il y a travail pour eux. Donc par exemple aux États-Unis nous capable comprendre Donald Trump qui campait carrément les bloquer visa pour monde qui demande des traitements d'état aux États-Unis etc. Son façon pour lui voir un message selon moi-même by base électorale pour laisser le comprendre que n'a pas défendre l'Amérique, n'a pas défendre l'emploi américain, n'a pas défendre citoyen américain. Ils sont discours qui purement populistes, mais qui au fond et gagnent un impact direct sous et base monde qui vous votez pour lui. Et on capable comprendre là tout au Chili et président Piñera lui-même, il a parlé qui dit au commencement pandémie, monsieur te compte dit nous bloquer frontières pour nous empêcher yo entrer à maladie à la caillou, ça veut dire comprendre COVID-19. Alors que Chili, c'est pays qui a plus qu'à COVID-19 en Amérique latine, n'a pas 1 million d'habitants. Pendant que son discours, côté ces migrants qui ont vini, alors que le plus facile pour un monde qui sortit Chili, poté coronavirus dans le pays, qu'un monde qui sort dans l'autre pays en Amérique, là, poté coronavirus Chili. Et c'est même logique là qui t'est passé avec VIH-SIDA.
Et c'est même logique là tout, nous pouvons le suivre, qui pourrait le passer pi devant ensemble avec COVID, d'aller monsieur, pour commencer à arriver dans la phase, côté où il y a l'autre argument pour la population. Hein. Puis au détourner, attention population, là, ça qui n'est pas avec crise économique, sanitaire, politique, etc., COVID, là, quoi elle signifie. Eh bien, monsieur, vous parlez migrant, yo, y a un bon argument pour justifier toute bagarre, puis détourner l'esprit peuple, et puis tout le faire capital politique. Yo. Oui. On mute. Ou sous mute. OK. Et merci, Emmanuel, au fond, bon, allez, mener, venir là, sous question politique là. Et même si moi-même pas tellement well, purement politique, mais plus well, depuis Bois Maré, c'est mon lacao avant. Parce que tout pays, il a commencé well. Parce que tout pays, il presque, il pas en situation économique pour prendre soin de mon lacao. Imaginez pour prendre soin de mon qui dehors pays. Même si son droit international, son droit humain, il est supposé prendre droit et prendre pour tout le monde, mais tout le monde a regardé sur. Après Chili là, et gouvernement chilien n'est pas en mesure pour satisfaire tous les Chiliens. C'est pour cette raison-là que vous avez ce débat qui commence à faire pour décourager tout le monde dans le pays. Vous avez un Bolivien qui est dans le pays. Vous avez un Colombien qui est dans le pays. Et par exemple, vous avez un Palestinien qui est déporté là parce qu'il a troublé l'ordre public. Et il a cherché une façon que plus vous avez moins de monde dans le pays, vous avez moins de charges parce que vous avez assez pour travailler avec vous. Et Mackenzie, me pense bon, m'babé nous dans commencement live là pour nous commencer avec gros débat. Non, c'est débat là dans tout. Mais moi m'pas fin toi d'accord ensemble avant, mais m'explique pour quelle raison rapidement. M'pas fin toi d'accord avant parce que gagne un aspect qui gagne pour avec droit de l'homme là dedans directement et non seulement aspect du droit de l'homme, il gagne un aspect qui gagne pour ouais tout avec une question de égalité devant la loi. L'égalité devant la loi en termes de fiscalisation, migrants qui ici yo paye impôt même là avec chilien. Ça veut dire, si l'on a touché ou touché tout le monde même gens, les wap bail ou de bail même tout le monde même gens. Et c'est une question d'égalité devant la loi. Ou pas qu'à dire, les bagages là bon, les migrants travaillent ou touché non paquet impôts, même gens touché tout Chilien ou impôts. Ça veut dire, en termes de paiement d'impôts ou touché tout le même gens, et les bagages là bon, l'on va pas assister ou dit qu'on va pas assister en groupe parce qu'il va pas monde la caillou. Et en plus, nous avons un problème là-dedans. Si nous, en quelque sorte, justifier type de politique, ça, on mettait nos bons discours, selon moi-même, qui t'avait justifié un type de politique comme ça, bien que m'bâtisse ces politiques, ça, monsieur, habituellement, maintenant, débat, nous va le plus ou moins avancer quelques arguments pour nous défendre une tête chaque monde. Mais sous, en quelque sorte, justifier type de politique, ça, ou bien, en quelque sorte, tout, qu'a justifié le fait que monsieur, yo, choisi, rester à Cop Migré ou non, mais pendant que vous voulez vous la caillou. Bon, ça, sont des débats, bien, pour le commencer. N'absere de ba sa pou an lot jou. Men sa mtamble djou sa se real politik. Real politik la, ne yo fel an foksyon de yo, men an foksyon de moun laka. Yo wale fel an foksyon de migran. Yo men sou ta peye tak, sa peye impo. Yo ba ou ya pwe. Yo pwe moun laka yo dabo. Au kontre, si moun laka yo te ka kite peye, ya kwa an lot peye an atan de ba la bon, yo tap dako toujou. Paske mwen chaj de ta gen... C'est pas tout pays qui fait le constat, Maginton. C'est pas tout pays qui fait le constat. Canada va faire le constat. La France va faire le constat. Ça veut dire les bons comportements normaux, les bons comportements généralisés. Ou après Canada qui sont pays avancés, qui sont pays riches. Non, mais Canada pas fait le sens, ça. Ça veut dire dans le sens, ils veulent mettre les migrants au dehors parce que pays en crise. C'est-à-dire que Canada pas une politique de mettre la France pas fait le constat, non? La France pas une politique comme ça. Ils veulent mettre les migrants au dehors parce que pays en crise. Non, ok. Ouais. Pour me dernièrement, là, Haïtien au Canada levé campé. Yo t'as donc après que Haïtien a fini levé campé l'autre bois, il a changé l'idée parce que ouais, on a un problème politique avec ça. Oui. Comprendre ça, c'est une bagarre qui arrivait. Je pense que d'accord, moi capable rejoindre avec Mackenson là-dedans. Moi yo la caillou d'abord. OK. Faut pas oublier tout que presque tout le monde ça yo. Tout nèg ça yo qui et tout monsieur ça yo, m'va le dire nèg parce que yo pas nèg. Tout et ça yo les têtes blanches yo qui sorti côté que yo hein. Ça va me dire yo pas nèg là parce que d'après article 9 constitution pays d'Haïti et constitution impériale nèg ça moun ça pas nèg. OK? Yo pas même yo pas mon, yo pas nèg. Donc ça arrive c'est que si nous regardons bien dans l'histoire moun ça yo, depuis bien longtemps, les qui ont commencé à travailler dans la colonie, ils ont même son paquet d'expatriés qui ont été indésirables qui étaient dans le pays, qui ont voulu aller dans le pays qui ont fait que je
Donc, imaginez, qui bon bagay ou je n'amène exam? Premier bagay qui a fait en 1800, c'est son question de laisser faire. Business, peut-être pas, tout ça fait bon, mais il n'y a pas capable de faire l'autre. Si vous regardez même dans la loi, la Bible, tout, vous voyez que même chez ça, vous dites comme ça, vous êtes capable de couper poche ou un autre monde, mais pas de couper poche ou frère. Ça veut dire, vous qui semblait avec vous. Donc, vous n'avez pas rien pour vous avec nous. Ce n'est pas pour nous le payer. Tout ça, c'est pour peut-être pas vous. Quand vous avez une rivière sous déportation, utilisez même bagarre là pour voir tout le monde aller la caille. C'est quand vous là, moi, vous avez quelques pays qui a essayé de renverser la situation. Côté que nous entendons que il a fait bruit que et soit l'Angleterre, il a commencé à dire comme ça, il n'a pas accepté une série des Américains pour rentrer la caille. Même gens que les Américains ont dit ça, je viens plus du, plus strict avec question de monde qui a prêté trop longtemps la caille. Même gens Américains déportés français ou bien tout fait français tourner la caille. Pour le rester longtemps, pour ne pas retourner aux États-Unis, après que vous avez passé plus de temps que vous avez permis, hein? C'est même gens qui ont fait américain tout. Comme ça, tout, conseil de pays qui commençait à demander aux États-Unis pour yon payer visa pour entrer la caille. Mais cependant, la caille en Haïti, c'est là côté que nous avons un problème. Là, que vous avez accepté les gens. Et combien dis-nous tout, ce n'est pas la première fois que vous voyez étrangers aux États-Unis en Haïti. Et pas première fois. Yon un consul général qui a un problème, que moi-même moi connais, qui a un problème et Floride là, c'était consul général Ralph La Tortue. Pendant monsieur était Haïti sous préval, je crois que j'étais voyant un paquet de monde tourner en Haïti, même étranger, soit jamaïcain avec l'autre pays. Ouais. Le monsieur campé pour le parler, là même. N'ayez dit s'il continue pas ça, et pas même s'il continue, il a tout coupé passeport diplomatique, monsieur. C'est en pile négociation que Préval a fait, ou bien présenté Préval a fait, qui fait que monsieur lui-même était capable de tourner dans le poste aux États-Unis. Donc imaginez-vous, son façon politique utilisée normalement, je cherche un bagage qui arrive, c'est vrai qu'il y a un petit problème, oui, mais. Là, on dit comme ça que vous déportez mon nom pour être problème. Ce n'est pas parce que mon nom a un problème vrai, non? Vous déportez parce que vous avez besoin de faire pression sur le pays côté qui a déporté là. Et surtout en Haïti, c'est ça que vous avez fait. Vous voulez mettre une pression sur l'administration. Vous utilisez comme une arme politique. Et si Haïti a commencé à déporter mon tout, je garantis ça. Si Haïti a commencé à déporter. Moun sa yo kap fè et de fè. Tankou nèg sa ki fè et mandi nèg. Tankou blan sa ou bien quelque soit sa, yé kolon sa ki sot tuye mouti fi 14 ans nan au Cap. Si yo te déporté tout moun ki te embauché yo, si yo pa kapab jwenn ni, yo pran business lan même, yo pénalisé l et puis yo déporté l comme yon business kap mené criminel assassin an de pays. Hein? Gantou ça toute l'autre tu t'as conformé. Okay. Sûrement colonne vertébrale n'est pas là. Et excusez-moi pas quoi que c'est ça n'a pas parlé. Mais un petit j'en passe une impression dimanche matin il est là. Non, je pas, non, excusez-moi. Non, on va parler donc. Et désolé, bon nous connaissons ça qui passe déjà à Haïti en plus de petite dame mouri, mon a mouri, tu connais ça pas qu'on est dans pays d'Haïti. Donc, son terme pour nous, d'arrêt, ouais. Mais, question d'arrêt, t'as semblé que l'administration est trompe là, nous les font pression sur l'administration Haïti. Des fois, là, on fait déportation, c'est juste besoin, bah, on font pression. Qui pression pense dans le moment ça, Haïti a recevoir, bien, Trump t'a décidé, bah, Haïti dans le moment ça? Connaissant que Haïti. Qui est un pays qui est en Haïti? Excusez-moi, m'attendre des restes. Qui intérêt ça qui gagne en Haïti qui fait ou gagne presque toute puissance en Haïti tout fouillé yon côté yo poko jam fin ramasser depuis 1490 ou bien 480 ou bien 470 quelque soit lè te vin mete pied sou pays d'Haïti 1490 yo toujours là yo poko jam ramasser fin ramasser qui ça y a cherché toujours.
Si pas bien yon bagay ki sérieux en Haïti, ou pas bien tout moun sa yo. En de pays d'Haïti. Pour qui raison tout? Yon pas jamais bâti yon infrastructure le yon tapre le pays d'Haïti, yon pays kokou yon l'appel des Antilles, en côté qui a fait l'argent. Il y a plein de choses. Ça fait l'infrastructure là. Et si vous regardez dans tout pays que vous colonisez, qui pas de produit, même avec Haïti, vous avez un pays qui a fait autour d'un grenier. Puis vous ramassez l'eau en Haïti, prenez manger en Haïti, prenez café en Haïti, à le déposer dans l'autre pays. Ça. Et dans l'autre pays, ça, vous après que vous bâti une université. Qui université nous gagne en Haïti qui existait depuis 1500 ou bien 1600 ou bien avant l'indépendance. Ou pas besoin de ça. Parce que y était décidé pour pas de bâtir une infrastructure, c'est déchets qui ont été déchets il là. Donc c'est comme ça que vous faites. Quand vous y là, vous fin mener trois nègres dans la zone ouest il là, vous venez mettre tout en quarantaine. Vous mettez et université en Dominicanie, vous pas jamais mettre en Haïti. Parce que si vous allez Cuba, vous après y a du consacré puis gros université qui Cuba, c'est père dominicain qui t'est venu bâtir l'autre bois, qui t'est mettre l'autre bois Cuba. Donc Haïti tout près là, vous pas capable mettre un tout. Vous t'a pas dit consacré Haïti pas parler espagnol. Si Haïti pas parler espagnol, vrai gens qui ont te dit là. Pour qui raison Haïti te fait quelque temps de la Grande Colombia? Pour qui ça Haïti te membre de la Grande Colombia? Si langue pas là, t'es un problème. Donc, nous sommes capables de comprendre que dans toute question, ça y a une question de pression qui a mis sur un pays et que nous-mêmes, nous ne pouvons jamais comprendre en tant qu'Haïtiens pour nous camper, pour nous retirer pression ça sous de nous, pour nous laguer sous de nous. Bon bagay. C'est vrai, y a déporté les gens. Moi-même, si vous avez dit comme ça, que y a déporté les gens là, je ne sais pas si un problème. Parce que tout ça me fait côté que m'y a là, c'est dans le pays que je suis sorti ensemble avec eux, parce que c'est la valeur que je recevoir dans le pays que je porte par les gens. Ça me fait dans le pays que je c'est cultiver, me cultiver ça me hein, et puis me partager les gens que je suis avec eux-mêmes. Donc, c'est comme ça que je me sens. Je me sens en Haïti, je descends de certificat, je ne fais pas philo. Je suis arrivé ici aux États-Unis, c'est dans la quarantaine, je fais un collège. Et qui collège? Je ne suis pas capable de dire comme ça que je fais le même genre avec tout le monde. Seulement mon degré. C'est vrai. Si je ne peux pas apprendre, si je ne peux pas moun ça que je suis, si je ne peux pas haïtien ça que je suis, si je ne peux pas nègre ça que je suis, je ne peux pas capable réaliser ça que je fais ici aux États-Unis. Donc, qui ça que vous allez faire? Vous voulez me tourner la caméra? Si vous voulez me tourner la caméra, la plus mal pour vous, parce que tout ça m'a bien dit pour me plus la caméra toujours. Donc, imaginez, tout Haïtien qui vient tête, qui a décidé de lever, quitter côté qui est à tourner en Haïti, nous dit pas un problème, nous parlons faire une semaine sans manger. Après semaine, nous parlons commencer à manger contre nous parce que légumes pas prendre longtemps pour le pousser. Donc, ça veut dire que notre travail, bayo, commencer à faire politique économique par nous en tant qu'Haïtiens, et puis pour nous capables de stabiliser la Kainou, parce que monsieur la Kainou semble intéresser l'autre monde, puis bon, parce qu'il est Haïtien. Ah, retournez sur Bayo là encore. Monsieur Givens, et Emmanuel t'a bien tout le monde, mais c'est ça pour notre débat. Et question là, je me pose donc, parce que y a pile haïtien Oui, parce que et là qui te le bagage qui n'a pas fini tout d'accord avec vous, mais quand même, c'est pas débattable. Nabouel. Et pour déportation, des fois, yo déporté moun qui pa moun Haïti. Nan ki logik yo fè sa? Kom ou te ba yon ti historisite sou e konstitisyon, histwa de Saline Bayson. Nan ki logik pou yon ba Ameyen ou bien yon Jamaiken Pousse Haïti ou le bavouel nan peyi. Bon, yon nan bagay ki rive, an si peyi d'Haïti akse moun nan, se depi isi, depi yon van ki yon mette moun nan avyon, pou yon ba moun nan papye pou li rentre an da peyi.
Mpa konen si ke yo voye misye avèk un nom ayisyen. E pi, kan yo voye papye sa nan ambasade ou bien nan konsulat ayisyen, yo aksepte l kon sa. Si ke se pat sa ke yo te fè, yo se pat ba an papye pou li menm, sa vle di ke yo fè an bagay go pon yet. Yo jist pran moun, yo depote lan Haiti san problem. Don, sa vle di ke ta dwe gen yon investigasyon ki fèt sou sa. Investigasyon, mba konen si se nou menm Haitien tout a fè investigasyon sa, eske nou tap kap rive finalize investigasyon sa, men ta dwe komanse avèk peyi d'Haiti. Pou mesye ta mande tout bagay. Se pa pou yo ta fè menm jan avèk lè ki yo te di gen kole an Haiti. E pou pou mini sa fè, je di kon sa ki l bagay oken evidans nan nan. Men la, son moun ki paret, yo menen moun nan, yo di kon sa ke, pou yo depote yon moun nan peyi, il fò ke li genyen, yon manifest, fòl gen un papye ki soti d'ambassade ou bien de consulat peyi ka presevwa moun yo. Donc si pa gen sa, genyen un lot bagay ki fèt, swa gen kòk ki bay, mpa konnen si se vre, parce que sa mam di yon li baladan, men kon bagay ki fèt, ki fèt ki yo aksepte misye, ou bien ki fèt yo depote misye an Haiti. Okay. A part de sa, okay. Sam Djoulan, sa se sa ou di sou papye. Emmanuel Gombe a dab ajoute. M'pense gen lot aspèt tou, m'pense gen dwe aspèt ki ekstremement important nou te ka konsidere selon moun. Premier aspect, c'est un aspect qui vient pour être directement avec sa constitution pays d'Haïti dit. Parce que soit le gars des bois, en pile dans le monde qui paraît connecté comme haïtien, yo déporté en Haïti, ce sont des mondes qui, soit maman yo, mais papa yo, haïtien, ou bien grand-papa yo, mais grand yo, t'es haïtien. Donc, par exemple, nous pouvons le comprendre. Bahamas, migration qui peut plus Bahamas, ça, c'est migration haïtienne, non? Et pas jour aujourd'hui, là, c'est depuis longtemps. Il y a longtemps de ça. C'est très probable pour monter un lien avec Haïti. Et si nous allons dans la constitution haïtienne, dans selon moi-même qui dit tout petit haïtien, descendant haïtien, c'est haïtien, c'est-à-dire au moins très probable partir de là pour nous dire un lien. Mais pour moi, c'est pas un aspect qui est plus important. C'est un aspect ça qui dit qui tape toujours en bon créole. C'est le deuxième aspect qui est plus important, c'est que nous, dans le pays, côté 27% de monde pas enregistré, 27% haïtien pas bien baptisé, 25%. Ça veut dire son gagot total, pas gon registre réel, qui est-ce qui est haïtien, qui est-ce qui est pas haïtien, qui côté fait, qui côté le pas fait. Je ne dis à la moi-même avant, si nous venons de faire changer Baptiste, nous mettons de faire les organes, nous mettons de faire ta caille, de faire tel côté, pas gon registre. C'est dans sac. Bagaille pas informatisé, c'est dans sac, n'est-ce pas, c'est les papiers, etc. Même ou qu'on fin fait ou étudie en Haïti, ou fin l'école, ou fait passeport, etc. L'on va renouveler passeport, ou aller refaire avec Pédachi, ou y'a pas de jamais enregistré. Ça veut dire pendant tout ton temps, t'es vivre. L'État ici a des bons papiers baccalauréal, des bons papiers statistiques, des bons papiers ou pas jamais existé pour l'État sacté bon tout papier ça. Donc il me pense tout bon l'autre aspect tout qui vient rendre l'État haïtien vient faire tout dans sens ça. Au-delà de que nous sommes pays qui pauvre, pays qui diplomatiquement très faible, c'est que nous vient tellement pas gon registre de qui est-ce qui est haïtien, de qui est-ce qui pas haïtien. Tout le monde veut nous comme haïtien, obligé de prendre parce qu'il y a un argument pour nous prouver le haïtien. Le fait qu'il y a un argument pour nous prouver le haïtien, obligé de prendre comme haïtien, surtout si noir, li etc. Nous obligé d'accepter parce qu'il y a qui est-ce qui haïtien, qui est-ce qui pas haïtien. Et gagne plusieurs témoignages de moun qui pas haïtien. Moi, me songe qu'on époque de ici, à des gens qui m'ont tapé courir, t'es qu'on colombien noir, qui t'es fait passeport haïtien, puis t'es qu'en entrée Chili, puis t'es capable, etc. Avec les colombiens, t'es capable de passer Chili, mais on dit, ce sont des mouns qui t'es qu'en antécédent, dans pays, y'a pas de cal fait passeport, puis t'es quitté territoire, etc. Et la crise, ça veut dire, c'est pour un pays, il veut qu'ils ont contrôle strict en termes de registre, de l'on moun fait, etc. Qu'est-ce qui est haïtien, qu'est-ce qui pas haïtien, document, blablabla. Mais tout le monde, nous venons avec l'autre troisième problème. Tout son troisième problème, c'est que nous sommes pays qui est extrêmement faible. Puisque nous sommes pays qui est extrêmement faible, nous venons diplomatiquement faible, tout. Et si c'est face à gros pays, l'homme du gros pays, maintenant, et puissance mondiale, il m'a parlé des États-Unis, l'Union Européenne et de la Trier, tout ça, nous, on est obligé d'accepter. Les nègres, les doux, et mon chum, moi, ici, la map déporté, même là, ici, en Tagon, on est purement anglais, on est purement germanique. Ou obligé d'accepter parce qu'on va le mettre tout problème ensemble avec les gars, puis tout. Bon, on n'est pas, on n'a rien n'importe. Non, mais c'est pour nous débattre, oui, gars. On va chercher problème avec Bossou. J'en ai godé l'angle là. On va chercher problème avec Bossou parce que soit le fait pour chercher problème à Bossou, Bossou capable punir. Ça veut dire, nous sommes pays qui fait dans tout sens. Tenant compte qu'un bagage, je te prends pour exemple, pays de Chili.
Sous du Chili, ou qu'on citoyen là, quand on a déporté au Chili, premier bagage autorité chilienne, on a dit, mais pas de problème, voyez non en bas moins. Voyez numéro carte d'identité le bas moins. Et puis, tu m'apportes un enregistrement pour moi, c'est ton chilien. La plaque quand elle enregistre, la poitrine c'est ton chilien. Et s'il pas où elles sont chiliens, la poitrine cherche pour le connaître qui lien montagne avec Chili, parce que la loi pays a dit, tout petit chilien, c'est chilien. Bien que bon, l'autre aspect légal, etc. Peut-être une baguette policière suffisamment montée là-dedans. Mais en Haïti, pas de aucun problème. N'importe qui est capable de déclarer tête là ici un petit ouvrier le bas ou l'accepter pour pas de aucun côté pour contraster information au bas ou pas de aucun donné ou bien 25% de population qui pas un baptiste et donc 25% de monde qui circule sur un territoire qui pas existé réellement pour politiquement administrativement pour le pays, ça veut dire qu'il y a n'importe quoi bas ou et qui a du monde bien pour dire le bas ou. André de bébé ou bébé. Les avancées, je pense que nous avons en plus toujours si ça va et nuit panélicio. Mais nous avons tourné sous question. Il y a un Haïtien qui fait un pile dans les États-Unis et puis soit il a déporté, il va faire bien Haïti. Et il y a plus de monde qui choisit pas faire bien Haïti, soit caille, soit business, soit rien, parce qu'il ne voulait pas faire. Mais il y a d'autres qui choisissent de faire parce qu'on est un jour quand même, il faut que tu passes vie sur Haïti, ou bien si on t'a déporté, ou t'a quitté, ou t'a tourné dans le pays, il faut que je ne baille pas pour faire. Nous allons tourner sur ce point ça, mais on va saluer tout le monde qui est en branché, on va saluer et Vince Lujan, et on va saluer Ralph Peral, Ralph Peral, bon bagaille, Ralph Peral, et ma bienvenue tout ce que vous avez venir. Vous avez un problème avec Emmanuel? Vous avez un problème. Vous avez Sonal nous saluons. Et nous saluons Amos Antenor, nous saluons. Et Enias Examas Kabanou, en pile coup de main dans tes là, les Andjaï Social. Nous saluons mes amis. Avant de nous commenter en bas live là, pas oublier, like live là. Like live là et puis like page là. Pour un pile monde qui pas contre ça tes même si tes en pile émission sur les gens qui pas contre ça tes en. Yo de penser soit tes c'est une fondation qui a bâillé aide humanitaire, qui a bâillé une cache-nez ou bien manger, ou bien soit tes a bâillé avion pour l'Haïti. Tes sont en plateforme multimédia. Tes sont plateforme multimédia qui là pour bâillé information. Information pour toute institution qui crédible, information pour tout le monde qui a justifié information bon, information qui permet ou informer tête. Ça fait nous dire ça, c'est parce que y a pile monde qui doit penser de faire une page Facebook ou se poser dans toutes sauces. Ou se poser à distribuer manger, ou se poser à distribuer cache-nez, ou se poser à bailler mon gun pour boire sur ma tête. Non, il va comme ça bagarre. Chaque monde qui est en ligne, ça qui arrive avec une organisation qui a besoin de bailler mon on bail manger, tes n'est pas qu'à recevoir, tes n'est pas dit, ah, je connais un groupe, un groupe d'organisation qui a distribué manger. Peut-être prendre ma baille ou bien passer ma baille, mais ce n'est pas dans logique ça. Faut que nous sommes en ligne, nous en ligne. Donc, dans ce sens, nous ne pouvons pas compter zéro sur la plateforme multimédia. Nous sommes là pour nous former, informer. Et chaque thème nous traiter, c'est parce que nous connaissons les gens qui nous bagaille pour apprendre de lui. Et nous n'avons pas apprendre de lui. Donc, c'est comme ça. Et nous saluons tout le monde. Monsieur Evans, Kounia, monsieur, je viens de Floride, de quoi ça m'a dit, pour ce pays. Parce que nous connaissons grand pile et diaspora, toujours caché au peuple, dire. Yo cherche la nationalité. C'est pour pas nous parler du haïtien, le garde nous regarde les passeports haïtiens. Qui te l'a proche. Mais c'est Yvan, c'est pas ce que ça nous parle poser. Nous n'avons pas ça, c'est à cause de garde nous regarde les passeports haïtiens. Nous disons, ok, on sont bons haïtiens. Kounya là, on équipe haïtien qui vivent, soit aux États-Unis ou bien Chili, Brésil, qui remplit le temps de travail. Bien qu'il y ait qu'aux États-Unis, qui a bien passé aux États-Unis. Mais qui choisit pas font bien Haïti, ça c'est choix pas eux. Bien que choisi, fait un bien parce qu'on dit que si on joue la déportée, on a un côté pour dormir. Par exemple, dans le cas où on sait qu'on a déporté, on dit, moi-même, je ne vais pas payer ça même. Quand on voit, je ne vais pas payer ça même. Je ne vais pas payer ça même. Je ne vais pas payer papa là. Comment on même ou vit situation ça? Est-ce qu'on même ou son haïtien, une haïtien ça? Ou bien, comment on est? Bon, merci. Moi, que ça, l'aspect social que de bien, mais marche en pile sous lui. Et ça m'a dit, hein, et vous connaissez chaque monde qui a un choix par eux. Chaque monde qui a une vision par eux. Pour vous faire un bagage, ou bien une façon que vous avez évolué, ou bien une façon que vous avez peut-être. Moi-même, moi, toujours dit qu'on s'en bat contre qui côté ma pied dans la semaine qui va venir. Je ne sais pas si je suis campé là, non, caille, ou bien un bagage, mais je ne sais pas si je suis côté mieux là.
Mbap konen si ke mta pale devan yon aparey, mbap menm kon si lte le ordinate menm, ou bien kon yon apre le kompyute, mbap kon lang sa yo. Parfois mkon ap trouve tepe nan konfijyon yo. Sa trive se ke gen moun, pendant wap pale de sa, goun bagay ki paret nan tete mwen te kon dilem. Gen moun ki krasé tete yo pyo bati ka en Haiti, yo pa jam gen tan al vive la dan. Et gen moun menm ki pa jam met nan tete yo pyo bati en Haiti, et pi yo trouve ke yo depote oblige al toune en Haiti. Donc, chak moun fè yon bagay selon choix pa yo, nan fason ke yo tavle fè lan pou ta wè ki jan ke yo ap vive. Et cependant, moun yo tou, chak moun gen discipline pa yo. Moun ki batil lan, ave di ke li bay tèt non discipline, li te fon chwa pou te ale travay, et puis al bati yon kay an Haiti. Paske li toujou rete attaché a tèt li, et li bezwen gen yon bien. Gen moun menm ki pat gen aucune opportunité an Haiti. Yo pat gen moun ki te gen tè, yo pa gen rien du tout, yo pa kite madame, yo pa kite petit. Donc, yo pa gen intérêt hein pour retourner la caillou ou bien pour dire retourner à Haïti puis à bâtir rien. Moi même n'a capable ça son l'autre histoire tout. Parce que avant que me arriver aux États-Unis, moi pas gen aucun bien en Haïti. M'entrer aux États-Unis avec une intention que m'a retourner la caillou moi. Parce que m'étais besoin retourner la caillou pour mal travail. Moi gen problème qui rivait, m'obligé rester aux États-Unis. Malgré que j'ai été aux États-Unis, j'ai toujours été fortuné là quand même. Parce que ma vie là, la communauté côté Kémien, faut m'évoluer là-dedans. Même monde, c'est ça qui fait mes communautés. Mais si n'a pas les deux mêmes pays, moi j'aime un seul pays, c'est pays côté me sortir. La communauté font travail, font fond bagay. Si vous regardez bien, moi pas acheté bien ici aux États-Unis. M'a regardé l'autre jour là. Moi tant voyer comme en Haïti à monde que me pas connaît que me ta capable acheter un caï même l'autre bois dans tant que me gagne ici aux États-Unis. Donc ça devient bon mon bagage ou une opportunité moi-même, m'pas besoin chercher bien. Bien que moi gagne un côté que si me t'arrive en Haïti qu'il y a là, me doit mettre quatre poteaux et puis me couvrir là avec un toile ou quoi là. Un bon côté comme ça en Haïti. Un côté que grand-père t'a acheté. Et ça pire là dans papier grand-père t'a acheté là dans papier que bail pour tes ça lui dit comme ça que l'argent ça pour payer tes ça il sorti Cuba ça veut dire grand-père dans Cuba il travaille il veut acheter tes ça regardez moi-même moi pas travaille pour m'acheter terre en là un cabal dormir là-dedans lui là pour toute la famille moi pas besoin gagner écraser tête moi pour me dire moi faire même avec l'autre monde travailler 3 jours bouiqué fouer tête mon esclavage pour me capable réaliser un seul bagage bâti en Haïti faire mon work me bâti calan mais ces photos en seulement m'a montré parce que beaucoup j'ai mal dans cala avec ça que me faire moi bâti un autre bagage sur son introduction qu'on t'a parlé hein moi dire comme ça puisque m'a vivre dans pays étranger gagne un bagage qui très important pour nous tous haïtiens faire c'est créer opportunité pour l'autre haïtien qui vit bon côté nous yo ou bien tout quel que soit l'autre côté hein. Par exemple nous même nous au Chili moi-même moi aux États-Unis moi joindre avec un série de l'autre groupe au lieu que mal bâti avec comme moi prend problème mettez ensemble nous fonder nous créer ça que nous relais horizon vert là. Horizon vert son pays qui a acheté manger en Haïti porter aux États-Unis. Nous commençons ça depuis en 2013. Qui ça fait pour nous? Ça permet de nous créer job en Haïti et puis tout le créer job tout pour haïtiens qui boy ici dans là. Et c'est même bagage ça que moi-même moi toujours à encourager tout fait. Moi je une idée ça ensemble avec Mackinson. Là que moi était dominicani. L'homme réaliser que c'est bruit que esclavage que fouer nous. Moi dit tête moi si tout haïtien ça qui là te mettre un goût d'ensemble yo te bâti une usine yo te bâti une factory et puis y a mené haïtien seulement travail là-dedans et puis n'a mettre ensemble on sait des supermarchés yo t'a respecté nous tant qu'haïtien qui immigrant la caillou yo pas là pour nous quand on a vienne prendre job yo y
y a pour nous qu'on a créé et puis on a aidé l'économie. C'est même gens tout moi te voulais faire avec l'autre côté en Bahamas. M'aller Bahamas pour mener deux trois amis Bahamas pour aller acheter une série de places pour faire entrepôt pour côté manger l'autre bois. Et bien content tout moi gagne quelqu'un qui voulait faire ça dans au Chili. Mais quel que soit côté haïtien, nous pas besoin de faire ça. Au lieu que pour nous faire une contrebande, mais pour nous faire tout bon pour nous créer. Au lieu que pour nous serrer l'argent, pour nous bâtir un caille, un côté que nous pas besoin aller, ou bien tout gaspiller l'argent dans l'autre bagaille, mais nous besoin penser à la caille nous tout. Mais d'accord avec vous, faut nous penser à la caille nous, mais si nous créer des amis, si mettre des monde dans pays côté me sortir, bâtir mais de créer parce que c'est eux-mêmes qui vivent là. N'importe là, tu as déporté, non, m'a besoin de côté pour m'aider. Je n'ai pas besoin de caser comme battre un caille. Donc, quand ça a pensé, je connais. Si ça a pensé, merci. Nous battons des opinions, Mano, mais l'autre bail qui est Haïti tout. Et l'offre acheter petit terre, et puis la moutre là avec JDP, là avec les gaz à vivre pour terre, dit ça pour lui. Vous comprenez? Vous pouvez faire tout le reste de votre travail. Ou fin travail avec travail aux États-Unis ou bien chez les projets Fredou, vous voyez comment en Haïti pour acheter terre, pour acheter caille, ou t'en dis, ou t'es pas pour caille, pas pour. Vous comprenez? Donc, et gars, pile. Ça, vous n'avez pas fait un volet politique, tout bagaille. Non, gars, pile, l'autre facteur qui est important. Mais, par contre, moi-même, personnellement, et moi, juge bon, quel que soit haïtien qui travaille dans n'importe quel pays, bat au moins pour qu'on ajoute pas dans le pays. Bah pour me pouvoir jouer pas non plus pas seulement pour se taver ou tourner ou bien déporter parce que pas nous qui a déporté parce que pour déporter soit faut ou faire un crime ou bien faut ou violer les lois pays ya ou faut qu'on bagarre ou faire quand même ou bien ça sauf si on met dans la politique parce que nous même yoé nous ici nous allons faire politique chilien ça qu'on ne parle créole qu'on y a la surprise qu'on s'en a parlé ya d'avoir mettre nous sous écoute ou bien chercher un traducteur on l'a ici par nous ou bien chine qu'on ne parle créole a dit tendez ça ti monsieur ça dit nous il y a pas qu'on pas parler des politiques pays donc il va pas déporter nous mais par contre bois camarade te con crise économique on pandémie et puis dit bon t'es mal fait 2-3 jours là caille moi pour qu'on respire on l'air si bailler bon m'a retourner donc m'pas connait manière qui ça dit sur point ça ouais ou veut ou qu'a font auto déportation ou qu'a choisi déporter pour temps pendant nous m'pense moi-même ça fait longtemps et c'est comme ça moi premièrement nous sommes qui très et Jean et monsieur Maurice Sotil d'Aléa nous sommes qui très libéral la sens très respecté opinion chaque monde très respecté Jean chaque monde comprendre bagaille et la tradition quand même très respecté mais point de vue pam c'est que moi pas juger les son obligation pour des poussons haïtiens ou habiter à l'étranger obligé pour qu'il y en Haïti pas obligation pourquoi ils ont une obligation pour obligation premièrement parce que ça va dépendre de chaque monde. Deuxièmement, parce que font cas en Haïti, si son cas ou fait pour mettre nan ferme, pour entrer comme, lui son investissement, mais si son cas ou fait pour gagner un cas en Haïti, pour parler au tout bon cas en Haïti, pendant que c'est moun qui a bambilé là dans les latriers, qui pas permettre d'entrer l'argent dans rien, parce que son argent jeté en quelque sorte, surtout sous pas compter tourner à vivre en Haïti, même. Et pas peut-être nous mentir tout bon. Gagne plus moun qui parle de ça, de l'illusion du retour, et nan migrant, et latriers, mais, majorité haïtien qui était Haïti n'a fait nous gain chance faire vie nous a penser tourner Haïti mais au fond quand mourir marche tourner et c'est ça qui presque réalité à regarder pourcentage monde qui était à l'étranger tourner en Haïti comparativement pourcentage monde qui vient dehors il pas en pile du tout même blé tout c'est respecter les quelques monde capable choisir font caille dans pays mais on l'entend pas tout mentionné là tout qui est extrêmement important c'est qu'en Haïti ça les droits de propriété c'est bon bagage qui tellement respecté vrai. On a combien là, on n'est pas libre de l'amour. Surtout si son caille, si son terrain, l'atrier. Moi, j'ai plusieurs exemples. J'ai mon proche, quand j'étais en Haïti, des hommes qu'on y a qui magistrat dans le pays, y'a même des cités non nègres. Ils ont entré au point de terre, à toute caille, qu'ils ont etc. Ils ont pris le pouille, et puis tout ça fini. Et, mais tout, me pensait tout, nous pas qu'à vivre tout, à qui ont, comme si nous, déportation sont fantômes niés pour nous. L'homme dit déportation, je veux parler comme si, une déportation, l'État pays a déporté nous. Parce que si on regarde les statistiques qu'on a point, si on compare quantité pourcentage haïtien ou déporté dans quantité haïtien qui vient États-Unis, on met dans pays où plus déporté haïtien autant pour États-Unis, Canada, la France etc. La point est très minime. Et en pile là monde déporté, ce sont des monde qui méritaient déportation. Ah parce que ça sont aspect pour prendre tenir compte de lui parce que moi pas un monde qui finit analyser bagarre de manière et utilisant celle variable.
majorité moun yo déporté en Haïti, ce sont des moun qui méritent déportation. Ce sont des moun yo déporté en fonction de ça la loi pays côté ou déporté ou dit oui. Parce que moi c'est une problème moun gen avec parce que côté bagay la y a m'a dit et m'a mis là. En pile moun yo déporté, ce sont des moun qui méritent déportation. Hein. C'est pas des moun yo fait abus, non? Sinon pour pas parler avec 11 000 dim non. En plein pandémie, ça, États-Unis, pas qu'à déporter mon en Haïti, mais non. Nous, qu'à décider qui ça n'a fait avec loi pays, nous, mais pas qu'à décider qui ça la loi États-Unis n'a fait États-Unis. C'est États-Unis, c'est loi au lié. Si yo juge nèg là, enfreint la loi, non niveau, puis yo déporter, parce que je pense que c'est pire gros peine, yo qu'à bailler un migrant dans un pays étranger. Bon, après, des condamnés à mort, non pays, côté gain, et peine de mort, etc. C'est parce que yo, même yo juge la loi, yo dit mon nom mérite déporter, yo déporte elle. Et je pense que c'est même logique, côté haïtien toujours contre américain, mais quoi, américain dit la voie de l'empire, il fâché. Mais sous compte, le bac a voulu toujours dans le pays mounio. Même moun guide, va aux États-Unis, son pays impérial, etc. Kou yo déporté yon mounio, Haïti, ou il est en bruit. Mais non, on doit être content parce qu'on va le voir. Son mauvais pays, son pays impérial, c'est la tri. Bon, ça, c'est l'autre thème. Mais tout comme l'autre aspect qui est extrêmement important, qui sont aspects qui viennent pour eux, avec bien moun choisi faire dans le pays côté le sorti. Parce que, y a une différence entre moins fait yon côté avec moins senti ma patenni à côté. Parce que un aspect qui est extrêmement intéressant tout dans le débat qui sont aspects qui viennent pour eux avec sentiment d'appartenance. Et sentiment d'appartenance, ce n'est pas seulement pour eux avec un sentiment de patriotisme, côté où sont tous patriotes, où sont tous attachés à pays ou la prière, mais tout le gain pour eux tout avec un paquet de bons facteurs, à qui l'âge monde n'a pas dit, qui raison te fait quitter Haïti, etc. Parce que y a un monde qui est dit, mais il n'y a pas besoin de tout en Haïti. Il n'y a pas besoin de tout, peut-être ça a été vivant en Haïti, il y a un monde dans ses familles qui est tué, etc. Donc, il y a toute une série de facteurs parce que qui t'a supposé bon pour nous tenir compte de yo. Mais tout, en dehors de tout facteur ça yo, l'important pour nous considérer que seul, au moins selon moi-même, les prend obligation pour si on est à l'étranger pour qu'on caille dans le pays ou. Et si tout si pays, quand on pral fait qu'elle a son pays, tant qu'on a Haïti, il est côté non seulement capable de perdre à n'importe moment, et côté tout quoi, vous allez dépenser pour faire qu'elle en Haïti, à son investi dans le pays, quand on a le carapote au plus, que sous fond qu'elle en Haïti, ça veut dire qu'on a directement choisi pas fond qu'elle en Haïti. Chose que moi-même, moi, respecter, peut-être, moi-même, qu'a choisi, font qu'en Haïti, ou qu'a choisi, ou l'autre, n'a pas choisi. Moi, obligé de respecter, mais moi-même, pas, vouloir bagarre là, non, en que, puisqu'on sont haïtiens, ou dehors, obligé de qu'en Haïti, pour si, en cas, y'a déporté. C'est comme si on a dit, ou a vu, avec un fantôme de déportation, qui, il a fait la vie, ou en nous, qui, de temps en temps, on a pensé qu'il y a n'importe où, on a déporté, etc., et l'a crié. Mais oui, ça, moi, a pillé, c'est ça, et, qui saute pas l'état là, côté nous parler de, non façon capable créer richesse dans pays ou non façon capable créer pour bay moun emploi etc. li toujours bon mais tout le toujours bon c'est dans une logique côté l'argent pour l'investir faut qu'on analyse bien pour voir que c'est pour l'argent pour le jeter donc par exemple compagnie qui est parti à l'étranger Canada États-Unis la France etc. qui ont suffisamment pour investir en Haïti mais l'homme on a pas investi seulement en fonction de patriotisme ou investi en fonction de gain pour le faire des bénéfices ou pas le tirer, la trier, des stabilités politiques, économiques, et ça, la loi dit, etc., respect pour droit propriété, la trier. Ce sont des choses que dans le pays, nous connaissons clairement que bagaille, ça, pas fin, trop, respecter que ça. C'est-à-dire, en fin de compte, moi, pensez, y'a un monde qui sortit à Haïti, qui choisit, font qu'en Haïti, applaudissements pour lui, nous comptons pour lui, félicitations, etc., parce que c'est choix pâle. Mais tout, y'a un mec qui pas voulu faire tout, pas trouver ça, rien qui soit mal là-dedans. Tout simplement, il a choisi pas faire, on l'a bien choisi faire. Même pas le machin dans logique que depuis les garçons haïtiens, ils obligent qu'on en Haïti parce qu'il n'est pas nécessairement ça. Bon. Moi, au moins, c'est quant à moi. Et nous, presque arrivés dans la fin de débat, mais pendant que nous arrivons dans la fin de débat, là, nous avons plein de questions, commentaires, yo, et moun qui en bas là, là, si nous avons des questions pour monsieur Yvan, si nous avons des questions pour monsieur Emmanuel, si nous avons des questions pour moi, tout, si nous avons répondu, je passe le bas Emmanuel ou bien monsieur Yvan. Et en attendant, on a salué Yves Messidor, et par contre, son questionnement, il posait là, il dit, qui est déportation, hein? Qui est déportation, qui est déportation, ça? Et par contre, si c'est déportation, Apton, Chili, il y a deux façons pour déporter. Soit on paye comme, comme la CAO, ou bien le gouvernement dit, ou le poste pour retourner volontaire, mais on a signé quoi faire neuf, on va retourner dans le pays. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens, ça va pour les pile et vénézuéliens. Malgré le camp devant l'ambassade pays, devant le consulat pays, l'ambassade pays pour occuper aussi, c'est, m'bab dit moi. Et Bolivien, camp dormi devant l'ambassade pour occuper, si c'est, Et Colombie, fait même bagarre là. Pas de pièces qui occupent, c'est une question de l'autre organisation qui met toute la tête ensemble, qui met le corps ensemble, qui bat au magique, bat au côté pour dormir, qui aide au petit avion pour aller dans le pays. Donc, sous Chili, ou bien sous Haïti,
soit chercher un cop dans poche pour tourner jour terminé ou nous cherche une organisation caïdo ou bientôt ou al poster pour retour volontaire là et puis pour signer pour dire faire neuf on va tourner Chili encore. Donc c'est bah là ça et Rivoz merci d'or. D'habitude Chili pas un pays qui déportait haïtiens dans sens monde qui penser là. Moi c'est si me pas tromper pour aller passer à Chili déporter deux ou bien trois haïtiens mais c'était pour bagaille délit monsieur te commettre moi gagne là de te battre femme etc. Et ce sont des gens qui étaient en prison et la trier. Chili d'habitude pas déporter haïtiens dans le programme de déportation côté l'État ville pour remettre nos avions au aller. Bon par contre pour quelle raison peut-être c'est parce que déportation a coûté trop corps. Peut-être par contre quelle raison par contre mais une raison spécifique. Mais Chili c'est bon pays qui ont politique de déportation genre États-Unis gagne dans le prend li mettent nos avions genre ou fait pour nan haïtiens pour voir Haïti. Et bon peut-être tout c'est parce qu'il y a besoin plus de temps, il y a une réforme qui vous faites dans la loi etc. parce que la loi migration Chili a son loi qu'il a depuis l'année 1975, etc., il a trié. Mais tout le monde pensait que le programme Monsieur Otevini Avel, qui c'était le programme pour signer, on fait 9 ans, ou pas tourner Chili encore. Parce que, faut me dire nous ça en passant, le programme, ça, c'est un programme qui illégal. C'est un programme qui illégal. Illégal. Et c'est même logique là, là, tout qui fait coup et coup suprême, saute rejeter proposition du gouvernement colombien. Parce que le programme, ça, c'est un programme dossier, on fait 9 ans, ou pas tourner dans le pays. C'est un programme que la justice chilienne reconnaît. Dans un contexte, il y a un migrant qui commet un délit qui est passible d'une peine de, qui est inférieure à 5 ans. S'il est passible d'une peine qui est inférieure à 5 ans, le migrant a choisi de changer la peine pour une déportation volontaire quand il a fait 9 ans sans pas tourner dans le pays. Mais monsieur, même il passait par en bas, il a toujours mis dans le contexte de déportation haïtienne, etc., qui était tout un show médiatique, politique, idéologique, et la trier. Mais qui, au fond, lui-même, illégal et inconstitutionnel, même par contre, qui pas réuni condition que l'État supposé, la loi établie pour ça. Maintenant, quand ça me pensait, ça, moi, pensais qu'il est capable d'arriver très prochainement là, avec migration haïtienne au Chili, moi, pensais, c'est peut-être une prédiction, il n'est pas obligé de sortir, j'en pense là. C'est, prenant compte, en pile, le monde commence à perdre du au pays, a commencé à entrer dans récession et tout près, tout proche d'une crise économique. Bon, premier groupe monde qui est affecté, c'est toujours migrants. Oui, plus migrants ou faibles, plus yo débiles, plus yo vulnérables, c'est plus yo affectés. Nous avons livré nos situations, côté nous avons un pile compatriotes qui besoin, qui de manière explicite déclarer au besoin de tourner dans le pays. Ça qui lui-même, pas une obligation pour l'État chilien mettre avion pour y aller. Et en plus, dans un contexte de crise économique, d'austérité, l'État chilien a mis en application ces derniers temps, il y a très difficile pour monsieur commencer à mettre avion là pour tourner dans le pays. Yo, parce que, songez même programme et retour volontaire et yo te mette pour haïtien yo et li te yon moment pour te monsieur pas de ka financer là encore c'était avion la mer ou te obligé mettre mais ça devenu bye bye c'est mon programme qui en processus ça pas en cours là encore parce que financièrement n'a pas de moyens que te quoi que te financer maintenant dit oui ça découpe par le dit William tant pour y aller pas la gouvernement pour est-ce la banou avion encore moi avantage mien bye mais c'était non moun William Piam, salut! Oui, c'est bon. Nous avons des capotes de trois avions, nous avons bon. Non, une logique. Non, une logique d'austérité, là, l'État là-dedans, là. L'État va pas le mettre avion pour nek, pour tenir dans le pays ou comme ça. Ça, le capable de mettre pression sur l'autorité pays ou pour limiter moyen pour tourner. Mais nous connaissons clairement, même là où t'as mis un éléphant sous tête à Haïti, Haïti va gagner moyen pour mettre avion pour tourner. Nan jou pral vini la yo, nou menm kominote haïtienne nan ou Chili, nou li tre probab pou nou gen zen nan men nou, jan nè goti san bon krol. Pou nou gen zen nan men nou, paske kote nou ba live nou faz kote, nou pa ka mouten, nou pa ka desen nou etan plas, e menm an plas la tou nou pa ka foksyone. Nou pa ka make pa. Nou pa ka menm make pa tou plas. Te ve di, pa gen obligasyon pou metafyon pou boutine. E peyi da Haiti tou, on pas connait mais pays d'Haïti tu pas obligation pour mettre avion pour tourner bien que un pays qui plus ou moins parce que nous quand ouais Pérou pas fait Bolivie pas fait Colombie pas fait ça veut dire si pays sont plus moyen que nous pas fait c'est pas Haïti qui pas fait et en plus si nous tenons compte que l'état haïtien pas même connaît qui haïtien Chili qui haïtien pas Chili ni qui haïtien États-Unis qui haïtien pas États-Unis ça veut dire monsieur pas connait pour mettre avion pour nous tourner tout et bon troisième aspect pour me finir on passe son aspect qui moi toujours misé sur lui il me dit migration haïtienne non l'immigré haïtien voyageant, mais parti en bon créole, c'est pas non l'autre pays là, c'est qu'il quitte Haïti. Et ça, faut pas les nous jeunes dans l'autre pays, dernier côté, nous pensons tourner, c'est Haïti, nous pensons faire ou pas boire pour aller l'autre côté, parce que c'est Haïti, n'a fui. C'est-à-dire, je ne pas fuir un côté pour tu m'en mettre à jour pour me donner la dalle.
Cette dissertation là, t'as tellement été mérité pour nous t'as fait, pour nous t'as fait, pour nous t'as fait tout un débat sur lui. Ah ben, et n'a pas trois derniers commentaires pour nous qu'à finir parce que monsieur Evans, on t'a dit pour essayer de neuf pour dire, mais qu'est-ce que tu as dit là? Emmanuel, et petit toi, ap new, là, le besoin pour venir là. Et dernière question à prendre, ça de Junior Selami. Junior Selami dit qu'on s'agit de la troisième façon. Et garder des nègres et notre troisième passe, garder des nègres pour récolter l'État là, sans penser. Gagner des Palestiniens pour récolter l'État, parce que nègres soit y a violé la paix publique, parce que même dans la loi migration, tout ça, des pour son migrant, ou n'en paye de façon irrégulière, et puis ou créer et ou violé la loi publique, bah qu'on est soit faire, donc y a gain et ça, y a qu'apprendre. Il y a qu'à prendre des coups contre et puis il y a des poteaux avec deux Palestiniens. Imagine deux Palestiniens qui parlent. Allô? Comment imagine c'est deux Palestiniens, pas des Haïtiens. Il y a un département, il y a fait gros dans un département et pourtant il y a une situation régulière. Donc, il y a un recours pour prendre pour déporter. Donc, moment ça, j'ai Emmanuel Testé, là, son moment pour plus lier. Pour faire show médiatique avec n'importe bagaille que tu as fait en silence, pour augmenter le capital politique. Mais tout autant que tu as fait tout un aller, tu as fait tout un aller de où on va un pays. Je pense que dans les Palestiniens, tout le monde est considéré. Dans les Palestiniens, il y a un là-dedans, il y a accusé de hurto. C'est un problème avec la justice. L'autre nègre là, il semble que les nègres se défraient parce que les nègres même senti. Il semble que se défraient, chose qui n'est pas confirmée. Il y a un tout qui est en lettre déportation déjà dans le Gen yon yon deke tan bayon let deportasyon deja. Mse deke tan gon let deportasyon pou lte kite Chili. E nkon Chili se kon tal fonksyone, Chili pou pal depanse pou lte portol, bon let deportasyon. E lot nage ou men nage ou te agrese fizikman kon Serge, moun ki ap travayan ba nan edifisyon, video la, ba la fè soti nan jounal nou te wel. E tou, gen yon nan nage ou ki gen problem ki nan kontravensyon avèk l'Etat. Sa ve di se deneg, ou delà de le fait que normalement ça va passer à la ou pas idéologiser parce que Chili normalement tout ça passe idéologiser il va idéologiser le bal de Palestine Israël etc blablabla bla, bla. Mais l'on a analysé bien l'on bien gardé antécédent nèg ce sont des nègres qui méritent déportation oui peut-être Chili pas mettre un avion pour le au Palestine parce qu'il a fait recours etc avocat nèg capable mettre un recours sur des amparo aux gens ou dire en espagnol là il va voir il va déporter nèg mais au fond l'on regarde des antécédents nèg yo et l'on regarde des jeunes nèg yo réagir ça nèg yo fait yo et situation irrégulière monsieur Téla là t'es là dedans non et l'on a révisé loi migratoire 1090 1975 non et décret suprême 597 monsieur de publié en 1984 etc au Chili ou après que monsieur réellement vrai l'état autorité chilienne yo yo gagne bagage légal suffisamment dans main yo pour t'a déporter nèg yo mais ça sont l'autre on l'autre thème on l'autre débat. Ok, nous avons Eldius qui dit non, et Chili trop loin à Haïti. Oui, Chili trop loin à Haïti. Mes amis, 12 heures de temps, mes amis, pour un péage pour pouvoir nous tout aller à vrai. Ça aide dans la prochaine comme l'absolute. Et après ça, et Mérylis Augustin dit parler de mon qui postait Mérylis. Et question posée, nous avons répondu, mais il va dans le débat. À sur YouTube, t'es un, ou à venir toutes les formations sur question résidence définitive à son application. Et c'est qui ça poster a voulu dire poster voulait dire postuler ça dit poster pour résidence gen moun qui poster pour résidence ça fait pour 10 ans et 10 mois 11 mois et 15 mois yo pa ham répondre yo parce que nayo ça en fait tout moun qui poster yo kembe yo pa ham le baol parce qu'on ne bougue pas pierre ou gen ba café dans pays a gen aide sociale ou ka jeune mais on fait poser appel de l'autre yo l'autre qui beaucoup poster et je pense que bah ça c'est bah organisation et cap mettre pression sur gouvernement dans moment ça qui a aider nous mais nous même dans tes nous pas faire rien pour question ça après ça Jameson et Florent Jameson est pas question poser Jameson Florent son nèg qui toujours parler en pile de tes toujours nos critiques pour le faire et Jameson Florent nous pas question tout le monde dans nous bon Jameson nèg pas mieux papa critique bon tout frère bien que moi défendre avec comme gourmet mais critique de fois bon tout. Jameson, toi, c'est pour moi, papa. Jameson, nous saluons. Bon, et nous saluons tout le monde qui est en bas live là. Yves Rose, merci d'or, merci Mérystil Augustin. Et monsieur Yvan, sous ta gueule, on m'a fait un tap dit. Et sous tes yeux qui sont à pied. Et c'est ton plaisir pour nous de recevoir. Parce qu'il est arrivé, faut que nous fassions bagage pour nous aller.
Bon, merci en pile. Moi-même, ça fait longtemps depuis que je parlé de tes zins, depuis là que vous t'avez présenté tes zins. Ça fait combien de temps, me dit? Depuis le premier jour, même. Moi, j'étais un bon fanatique. Et son plaisir tout, moi-même, moi, remercie vous de ce que tu as invité pour me paraître sous tes zins, parce que son petit, on m'a parlé en pile de lui. Et je vais me suspendre parler de vous-même. Et moi, je joins l'autre ami encore, c'est docteur Emmanuel. Donc, moi-même, je connais. Je suis fou pour vous. Depuis là, je me définis la première fois, moi je suis fou pour vous. Donc, moi, mon merci en pile. Et puis, tout, toujours continuer par les informations que vous avez besoin. Parce que le combat qui est très important, côté que nous y est, c'est l'information qui peut aider à sortir dans tout côté que vous sortez, côté vous y est. Si nous quittons le pays, nous arrivons de l'autre côté, il n'y a pas fait sens pour moi-même pour me donner information pour me cacher. Plus moi partager, le plus bon pour vous. Les pays bon pour moi. Parce que là, comme ça, quel que soit côté que vous sortez dans le pays d'Haïti, hein, si vous êtes capable de changer un bagage la caille, ou bien tout, vous voyez changer la caille, c'est dans le voisinage que vous mettez la bon pour moi. Si vous faites un bon bagage la caille, la bon pour moi-même, dans le quartier côté me sortir en tout, on nous continue à marcher ensemble, et puis suspendre, jouer haïtien, ni c'est pas bon, ni ceci, cela. Parce que si un Haïtien a travaillé pour l'occuper la famille, pour l'occuper les amis, quel que soit les gens qui font là, ils sont bons grains haïtiens pour moi-même. Donc, s'il arrivait que là, ils suivent, malveillant ou bien malfaiteur, mon cap fait ça par ça, ça veut dire que son Haïtien n'est pas passé bon côté pour le gens que nous devons marcher ensemble pour nous vivre. Pas tomber dans ça par ça, pas faire faux papier. Parce que faut pas bien après tourner des têtes nous quand même en tant qu'immigrants. Et puis continuer à supporter l'un l'autre. Merci en pile Tézin, merci en pile tout le monde d'être ce que tu es avec nous, de recevoir ma soeur. Et merci en pile, monsieur Ivan, c'est de ce côté ensemble avec nous. On a ça et honoré, honoré écrivain rite à l'église là, honoré, y a mettre toi dans l'église là. Et Emmanuel, tu as un mot de fin qui salta pied. Et pas oublier thème nous, c'était et déportation, retour volontaire, Haïti, Chili, États-Unis. Mano, c'est un dernier mot, ou bien un mot de fin, qui salta pied? Bon, moi, M'tandoi? Moi, si nous avons un mot la fin, c'est qui ça le tapis? C'est premièrement, pas remercier tes dents, c'est toujours sous tes dents. Vous avez dit remercier tes dents sans pléonas. Et même plutôt, c'est remercier tout le monde qui t'a suivi. Ça me dit, pas remercier tes dents, c'est toujours sous tes dents. Même plutôt, après, remercier le monde qui t'a suivi tes dents. Et remercier tes dents, tout. Remercier Mackinson, etc. Et puis tout, rappelez Mounio que l'émission m'a fait le demain parce que pendant la semaine, je n'ai pas été capable de faire. Et demain, c'est ma première émission qui te correspond pour semaine passée, pour mercredi passé. Et puis, tout n'a pas avancé. Et je remercie Monsieur Maurice surtout pour participation, pour toute belle expérience qu'il partage avec nous, pour belle connaissance qu'il partage ensemble avec nous. Et puis, tout n'a pas avancé de façon pas nous, pour nous recommander, nous toutes, nous chaque capable de contribuer, pour nous, là, un petit grain de sable dans l'amélioration qualité de vie compatriote, nous, indépendamment de qui paye côté la vie. C'était ça. Merci un peu. Est-ce que Mkava ajoute un bail pour nous? Oui, Mackinson, oui. son message que m'a baou de Radio Télécajou. OK. Assure ou relayer ou bien contacter avec directeur général là pour la semaine, leur faire émission TD encore pour lire sous Télécajou. Parce que là, il te mandé pour nous être capable de connecter pour n'importe quelle faire émission pour être capable de retransmettre sur tout réseau Cajou. Parce que nous avons quelques monde tout en Haïti dans la radio. Et dans la télévision. Donc, nous avons besoin de faire ça. Ah oui, pas un problème. Merci en pile et directoire Radio Télécajoua. Et merci en pile pour offla. Nous parlons entrer en contact avec nous tout de suite pour nous retransmettre sur Télécajou pour tout l'autre Haïtien qui est Miami, qui est en France, ou bien tout l'autre côté en Haïti. Bon, et n'a dit Mounio, et seule façon pour aider tes ingrandis, c'est like page Facebook nous, et puis inscrire sur canal YouTube nous, et puis télécharger l'application tes ingrandis sur Play Store. Suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Instagram. Nous avons un site web qui c'est tes ingrandis.cl, toujours passer sur ce site web-là, lien en espagnol, lien en français, lien en créole.
TESE son plateforme multimédia qui l'a pour former et puis informer. Merci Emmanuel, merci Yves Morisseau, merci toutes les followers TESE, Joanne Gassin, Honoré, Junior Selami, tout le monde qui branche dernièrement. C'est un plaisir pour nous d'apprendre. Nous l'avons samedi encore. Mais pas oublier, demain dimanche, là, nous avons une émission Emmanuel Monpoint sous COVID-19 là, qui a fait une analyse épistémologique ou bien analyse sur question COVID là. Et pas oublier, tout le monde émission que les gars payent. Gaye parle c'est avec Coralie Price depuis Haïti qui parlait de désir féminin ou bien homosexualité, hétérosexualité, désir femme et matelot et qui plot bagay. Et que sujet tabou yo, et gen Henri Joseph chaque jeudi qui parle nous de questions immigration, comment pour poster, comment pour faire papier tout bagay ça yo, et TESE chargé avec émission chargé information. Et pas oublier tout le monde nous chaque la gon grain zone au cas faible. En Haïti, nous avons dit, nous avons besoin de comment pays d'Haïti. Et c'est pour ça que nous faisons liaison avec Panel Magique. Et Panel Magique, monsieur Nouvelisio, chaque matin, il y a un mètre sous TESE, ça va passer à Haïti. Donc, nous-mêmes, nous avons tout le bagage là, il y a un seul côté. C'était avant Mackinson Jean-Baptiste. Nous tous, bon dimanche, bonne nuit, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.